Voilà. Nickel. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous n'allons pas jouer à Stranded Deep. Nous n'allons pas jouer à Subnautica, ni à Raft d'ailleurs. Mais nous allons jouer à un petit peu des trois. Bienvenue mesdames et messieurs dans Bermuda Lost Survival. Oui, je sais, dit comme ça, ça pourrait faire un petit peu peur. Mais bien évidemment, nous ne sommes pas dans l'horreur. Ça rime tout ça. Donc eh bien écoutez, c'est parti, new game, hein, let's go. Et là vous allez me dire, mais Jolate, pourquoi Stranded Deep? Eh bien tout simplement parce que ce radeau me fait fortement penser à Stranded Deep. Et nous sommes perdus en pleine mer. Stranded Deep. Mais Jolate, pourquoi Subnautica? Ah ah! Eh bien c'est tout simplement parce que nous allons passer la majeure partie de notre temps sous l'eau. C'est ici que nous allons chasser et prendre nos ressources. Hop 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 hop, attendez, je remonte avant de me faire bouffer. Comment qu'on remonte? Ok, je n'arrive pas à remonter. Je vais me faire bouffer. Ah, ok, d'accord, c'est bon, j'ai trouvé. CF pour remonter. Et troisième et dernière question, mais vous allez me dire, mais pourquoi Raft? Eh bien tout simplement, pour survivre, nous allons devoir construire une plateforme très similaire à celle de Raft. C'est-à-dire faire notre cuisine, je ne sais pas moi, peut-être des petits potagers, des petits machins comme ça. Je n'en sais pas plus. Nous allons découvrir ça ensemble. Je vois que en haut à droite, nous avons une mini-map. Alors le développeur a prévu d'agrandir encore cette map, parce que pour l'instant elle n'est pas forcément très très grande. Il a également prévu de rajouter des bestioles aquatiques, donc ça c'est plutôt cool. Nous avons à droite notre oxygène. Nous avons la jauge de soif, la jauge de faim. Et c'est quoi le truc avec le cerveau? Il y a un truc avec le cerveau, je sais pas c'est quoi. Et on a la santé, d'accord. Et on a un sac à dos, un inventaire. On a les artefacts, les achèvements, les compétences, donc les habilités, et nos outils, d'accord. Et le quick access qui est ici. D'accord, ok. Coming soon, d'accord. Donc, il va y avoir des trucs qui vont être rajoutés au fil des mises à jour. Certainement. D'accord. Bon, là, pour l'instant, je peux pas l'upgrader. Le jeu est tout en anglais. On va s'en sortir. Alors, c'est de la pure découverte, les gens, hein. Par contre, il y a un truc qui me plaît pas. C'est quoi, ça? D'accord. Avec ça, ok, je ramasse... J'ai des trousses de soins. Ok, je les ramasse. Ça, c'est de la nourriture que je prends sur moi. D'accord. Je vois qu'on a une limite dans l'inventaire, là. D'accord, crafting box. Vous voyez, ça va être une table de craft. Ok, bon, bah écoutez. Et bah tranquillement, ensemble, nous allons descendre dans les fonds marins. Alors surtout, n'oubliez pas de laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et bah et puis on est parti. Et c'est quoi, ça slip? Ah oui, puis comme vous voyez, il y a un cycle jour et nuit. Bon, bah écoutez, on va pas dormir, hein. Voilà, hein, reste 0 heure. Ok, on peut sauvegarder ici. Très bien, c'est parfait. C'est parfait. Allez, let's go. On s'en va en bas. On va tenter de ramasser des ressources. Alors là, je vous le dis, c'est de la pure découverte. C'est la première fois que je lance le jeu. Mais on va y arriver. En tout cas, c'est super bien fait sous l'eau. Et voyez qu'ils ont franchement super bien fait les fonds marins. Ça fait un peu penser à du Subnautica. Oh putain, mon vieux. Ah oui, le développeur, il a prévu aussi de... mettre des nouveaux requins bientôt. Voilà, on va prendre ça. Donc, il y a du bois ici. Par contre, c'est quoi la touche pour ramasser? D'accord, CF. Bon, bah ça, je vais le changer. Je vais mettre E. Parce que moi, ça me plaît pas trop, la touche F pour ramasser. Des palmes, d'accord. Attends. Hop, viens ici. On a la jauge d'oxygène. Donc, faut pas trop traîner non plus. Ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va tenter de ramasser pas mal de planches de bois. Voilà. Par contre, pour boire, je sais pas comment que ça va se passer. À mon avis, il va falloir crafter des trucs pour filtrer l'eau ou quoi. Je sais pas du tout, hein. Franchement, je vous dis, hein, c'est un mélange de Subnautica, Stranded Deep et Raft. Voilà. Oh putain, c'est quoi ça? Il y a un truc qui me suit là, non? Attends, on peut... Viens ici, saloperie. Putain, mon vieux, qu'est-ce qu'il est lent avec son couteau? Il est lent, hein. Ah d'accord, il y a le requin qui est en train d'attaquer au-dessus, là. Bon, écoutez, on va remonter. On va se dépêcher. J'espère que... Il est où, mon radeau? Il est là. Vas-y, remonte. Yes! GG. Ok, je redescends, je vais chercher de la ressource. D'accord, ça, on dirait... C'est de la pierre, de la stone. Ok, vas-y, fais péter. On va ramasser ça tranquillement. Du bois, je prends, bien entendu. Ça va servir. Attends, ça, je vais prendre aussi. Je sais pas à quoi ça va nous servir, mais on va en ramasser un petit peu. Voilà, et ça, est-ce qu'on peut ramasser ça? Pas du tout. C'est de la déco. Oh putain, laisse tomber, mon vieux. Ça fait un de ces boucans quand il y a le requin à côté de nous, là. Je sens le casque me vibrer dans les oreilles quand il passe juste à côté de moi. Remonte. Voilà, yes. Ok, on va remonter dans le radeau tranquillement. Bon, pour l'instant, tout se passe assez bien. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai changé ma touche pour les actions. Maintenant, j'ai mis E à la place de F. Par exemple, regardez, wooden platform. Je pense que c'est la base. Ah ouais, rope selling, voyez...
Ouais, il y a vraiment un gros mélange de raft, hein, carrément. Par exemple, pour faire ça, il me faut 12 planches et 12 sticks. Bah écoutez, on va mettre ça. Voilà, on va mettre ça là-dedans. Ah bah je peux rien faire encore. Ah si, je peux faire ça. Ouais, mais ça m'intéresse pas, quoique wooden ceiling, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est wooden platform qu'il faut qu'on fasse. Bon, écoutez, je vais ramasser masse de bois en bas et on va voir ce qu'on peut faire juste après. Oh, attendez, c'est quoi? C'est des coffres, ça? Attends, ça... Déjà, on va ramasser. Voilà. Est-ce que ça s'ouvre, les coffres? Harvest. D'accord, on peut peut-être pas l'ouvrir tout de suite comme ça, là. Ok, faut peut-être une clé, quelque chose, un outil, un pied de biche, que sais-je encore? Je ne sais pas. Il y en a encore un autre à côté. Ouais, Harvest, je peux pas l'ouvrir. En tout cas, on sait qu'on a des coffres en bas, donc ça, c'est cool. Ça se ramasse, ça? Ah ouais, yes. Attends. Luminous coral. Oh, yes. Ça se trouve, ça va me servir à faire des lampadaires. Va savoir. Je raconte peut-être des conneries, mais on sait pas. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez ce jeu. Moi, perso, je viens juste de le découvrir. Attendez, putain, je vais remonter. Voilà, impeccable, yes. Oh, attendez, il y a peut-être des trucs, là, dans ce bateau, là. Des fois, qu'il y a des trésors. On n'a pas une lampe torche, des fois, non? Non. Bon, à mon avis, ça va se trouver plus tard, hein, les lampes torches et tout. Au début, je pense qu'on commence avec pas grand-chose. Normal, comme un petit peu tous les jeux de survie, j'ai envie de dire. Ah oui, regardez. Après, je m'en vais de la limite de la map. Vous voyez, en haut à droite, dans la minimap, il y a des taches noires. Donc là, si je continue, en fait, bah, je vais rien trouver, tout simplement, quoi. Maintenant, le développeur, il envisage d'agrandir la map encore. Pour l'instant, elle est pas si grande que ça. Oh, disons qu'il a posé les bases. Ok, j'ai ramassé quand même pas mal de trucs. On va voir ce qu'on peut faire maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on va poser ça, ça. Ok, de la pierre. Je vais même mettre tout ça là-dedans. Voilà, ça va servir pour le craft. Par exemple... Je veux me crafter un wooden platform. Vas-y. Donc ça, ça va être un plancher, je pense. À poser directement sur la mer. Voilà, bon bah, c'est tout. Ça y est, j'ai déjà plus rien, mon vieux. Laisse tomber, ça va super vite, les ressources. Donc, admettons, je le mets dans mon inventaire. Voilà, je le mets comme ça. Voilà, admettons... Ah, ok. D'accord, j'ai un petit peu compris le délire. Donc, ouais, putain, là, le jour, il commence à se coucher. En tout cas, c'est franchement bien fait. On va faire comme ça. Ah ok, je peux le tourner après et tout. On va le mettre vraiment. Et ben voilà, voilà mon vieux, on a posé les bases, c'est bon. Par contre, j'ai super soif quoi. Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que ça se mange ça? Comme dans Subnautica, ça redonne de l'eau, non? Bah écoutez, je vais prendre une boîte de conserve. Ah yes, ça me redonne de l'eau les boîtes de conserve. Je vais aller chercher des trucs hein. Oh, c'est quoi ça là-bas? J'ai l'impression qu'il y a une épave juste là. On dirait une épave d'avion. On dirait un avion mon vieux. What? Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Harvest. Bon, on peut pas faire grand-chose avec, visiblement. On va savoir, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Putain, on voit rien par là, on voit rien. Bon, pour l'instant, je vous avoue que les sessions de plongée, ils sont très longues. Pour au final, pas ramasser spécialement grand-chose. À part des planches et des pierres. J'espère que plus tard, on va pouvoir se crafter une bouteille d'oxygène ou je sais pas, moi, va savoir. Attends, je vais remonter. Ok, tranquille. Alors là, j'ai quand même ramassé beaucoup de trucs. Enfin, pas mal. Vous voyez, j'ai ramassé des planches, de la pierre et je vous assure que c'est quand même long à ramasser tout ça. Hein. Donc franchement, j'ai ramassé pas mal de trucs. Pour au final, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ok, donc ça, ça va être quoi, ça? Workbench. Donc il nous faut 8 planches, 10 sticks et du scrap métal. Bah où est-ce que je vais trouver ça moi? Bah du métal, j'ai pas vu de métal pour l'instant hein. À part l'épave de l'avion, c'est tout ce que j'ai vu comme métal. Je vais refaire une petite plateforme. Voilà, on va tenter d'aller chercher du métal. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a? Oh merde, j'ai soif. Vas-y, je vais ramasser des petites canettes comme ça là. Voilà, des boîtes de conserve. Pour l'instant, on va pouvoir se nourrir qu'avec ça. Voilà, vas-y. C'est bon? Allez, impeccable. Yes. Voilà, on va poser ça comme ça. J'aimerais bien que le jour se lève. Ah bah attendez, je peux dormir. Et si je dormais jusqu'au jour? Voilà, tout simplement que je faisais ça. Je vais faire save. Ok. Reste 5 heures. Ok. Ah, yes. Ah, par contre, mon eau, elle a baissé. Vous voyez? Donc, bon. Voilà, on va manger une petite canette. Et bah, vas-y, mon vieux. C'est parti. Où est-ce qu'on va trouver du métal? J'ai pas trop été spécialement de ce côté de la map. Oh, regardez, c'est quoi ça? On va peut-être trouver des nouveaux trucs par ici. Voilà, peut-être ça, c'est du métal. Est-ce qu'il y a moyen que... Ben non, franchement, là, je vois pas comment ramasser ça, quoi. Alors, attends, je vais voir si on peut pas faire des trucs là-dedans. Je pourrais upgrade le couteau. On va tenter d'unlocker ça. 5 stones, 5 sticks. Ah, ok, d'accord. Alors, attends, je vais récupérer des trucs...
Voilà, 5 stone, 5 stick. Donc normalement, si je fais ça... Yes! Ok, d'accord. Donc là, on a une hache. Très bien. Celui-là, il nous faut quoi? 5 stone, 10 stick, 3 ropes. Ah, il nous faut de la corde. Bon, écoutez, là, normalement, yes, on a une hache, donc c'est plutôt cool. Putain, merde, je vais éviter de péter le radeau, mon vieux. Alors, attends, ça se trouve, maintenant, je vais peut-être pouvoir récupérer du bois direct, direct comme ça. Ou alors, farmer du métal, je sais pas. Merde, putain, j'ai soif. Vas-y, je prends ça. Est-ce que... Ah, yes! Ok! Alors, attends, j'ai envie de voir un truc. Est-ce que maintenant, je pourrais farmer du métal? Là-bas, on a l'avion. On va tenter d'aller voir. Ok. Est-ce que, par exemple... Ah, yes! Scrap métal. Voilà. Impeccable. Bah, écoutez, on va en ramasser quelques-uns. Je vais en prendre 20. Je pense que ça va être... Voilà, ça va être pas mal. Oh, par contre, vous voyez qu'au niveau du poids, là, le sac, il commence à être bien rempli. En bas à droite, je vois la jauge, là. Si je mets ça, admettons, là-dedans. Planche, stick. Ah, il me manque un stick, putain, merde. Normalement, on va pouvoir se faire une workbench, là. Une petite table de craft, donc ça va être plutôt cool. Voilà, vas-y, remonte. Yes, ok, nickel. Impeccable. Où est-ce qu'on va pouvoir poser ça? Ah ouais, c'est vraiment comme raft, hein. Voilà, on va mettre ça comme ça. Yes, voilà, impeccable. Ah, et là, on va pouvoir faire des nouveaux trucs encore. Donc, ah, ce serait bien qu'on se fasse peut-être pas ça. Mais ça, ça va être bien pour faire de l'eau potable. Du scrap métal, des planches, des sticks. Ok, je vais prendre quelques boîtes de conserve. Ah, bah attends, je peux peut-être péter les coffres maintenant. Non? Attends, je vais voir ça. Ça se trouve, il y a peut-être des trucs dans les coffres. Ah, yes! Ah ouais, sur les coffres, tu ramasses du métal et du bois. D'accord. Là, on commence à se mettre bien. Vous voyez? Par contre, je trouve ça assez long, la récolte de ressources. Après, peut-être qu'il y a moyen encore d'améliorer les outils pour que ce soit encore plus rapide. Oh putain! J'ai pété l'avion, mon vieux. Il n'y a plus d'avion. J'ai ramassé tout ce qu'il y avait à ramasser sur l'avion. Et du coup, le cerveau à droite, là... Je pense que ça doit être la fatigue à mon avis. Ça, je pose ça ici. Yes, on peut se le faire. Ouh, attends, on peut se faire ça aussi. On peut upgrader le radeau avec ça. Je pense que le plus important c'est ça d'abord. C'est pour se faire de l'eau. On va d'abord partir là-dessus. Voilà. Alors je l'ai pas précisé mais avant que des gens me le demandent, le jeu il est pas gratuit hein. Il coûte 12 euros et quelques. Voilà, yes. Peut-être éventuellement 5 scrap métal, 2 sticks, 1 rope. Ah merde, mais j'ai pas de rope. Rope, mec, rope. Ok, d'accord. 4 planches, 12 sticks. D'accord, il faut qu'on crafte ça pour faire de la corde. Crac, crac, crac. Yes. Là, ça y est, on commence à se mettre bien là. On commence à rentrer dans le vif du sujet. Je vais construire ça juste là. Voilà. Ah, ouh, je suis maniaque, tu vois. Il est de travers. Il a un peu de travers, il a bougé au dernier moment. Ah, je suis très maniaque, moi, avec ça. Donc, de la corde. Alors, maintenant, je ne voudrais pas raconter de conneries. Mais si, éventuellement, je prenais ça, que je le mettais là-dedans. Putain, qu'est-ce qu'il y a? J'ai soif. Et que je fais ça. D'accord, ça commence à me crafter de la corde. Ok, ça crafte tout doucement. On va boire un coup. Voilà. Allez, on va boire deux coups, mon vieux. On va se mettre bien. C'est la fête. Champagne. Et donc, après, ce que je voudrais faire, c'est débloquer ça. Du scrap métal, des sticks, une rope. Donc, alors, attends. Du scrap métal, il y en a là. Des sticks, il me semble qu'il y en a là. Et de la rope, du coup, il y en a ici. Voilà, il est en train de m'en crafter. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Yes, une corde, c'est tout. Bah, maintenant, c'est bon. Yes, c'est cool. C'est bon, la bouteille elle est équipée. Donc j'ai de l'eau. Ah ok d'accord, non je n'ai pas d'eau. Alors attends, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais dormir. Ouais mais le problème c'est que si je dors je vais avoir très soif. C'est pas grave, allez on va dormir jusqu'au lever du soleil. Save, ok parfait. Alors attends maintenant. D'accord, ok. J'ai de l'eau salée, salt water. Je vais mettre ça ici je pense, je fais run. Et ça ne marche pas comme ça. Peut-être que si je l'allumais avec du bois. Effectivement, ça marche. Voilà, on va mettre un peu plus de bois d'ailleurs. Je vais même mettre tout le bois en fait. Et puis écoutez, je vais aller mettre masse d'eau là-dedans. Parce que ça, on va en avoir besoin. Hein. Voilà, je vais en prendre 10. Ouais, 10, je pense que c'est pas trop mal du coup. Voilà, je mets tout ça là-dedans. Oh, ça me fait du charbon. Ah yes, regardez ça. Ça commence à me faire de l'eau. Et bah, c'est plutôt cool. On est en train de se mettre pas trop mal. Au niveau de la corde. Ah, va falloir que j'aille rechercher des trucs comme ça. Bon, écoutez, on va aller chercher masse de cordes. Voilà, putain, on va éviter de faire chier le requin. Bien qu'il ne nous ait pas encore attaqué. Mais on va éviter de trop le chatouiller quand même.
voyez ce que je veux dire? Putain, laisse tomber, mon vieux. J'ai tondu la pelouse, quoi. Y a plus rien. Ah si, y en a encore un là-bas. Voilà. Oh putain, on va remonter. Je vais vite aller chercher de l'eau parce que j'ai très soif. Allez, vas-y, vas-y, let's go. Tiens, bon, on va remonter. Alors attends. Vas-y, donne-moi mon eau, s'il te plaît. Voilà, je prends ça. Je vais la mettre juste ici. J'appuie sur la touche 2. Oh yes. Ça c'est bon. Voilà, impeccable. Avec presque 50 machins comme ça, ça me fait seulement 10 cordes. Donc là, on est en train de se mettre bien. On met de la corde et tout, c'est nickel. Et puis écoutez, moi je dis qu'on a posé les bases. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Alors à mon avis, c'est un jeu qui va être bien plus long que Raft. Parce que franchement, c'est beaucoup plus long de se stuffer, de crafter les choses et tout. Donc si vous êtes chaud dans les commentaires, et bah vous me dites et puis on fera une suite éventuellement, pourquoi pas. Moi en tout cas je suis chaud à découvrir la suite. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la prochaine, ciao tout le monde, au revoir. Ah ouais, là je vous le dis, on n'est pas arrivé, c'est un truc de malade, hein.